Bonjour, aujourd'hui j'ai cuit la panisse qui est la pâte traditionnelle de la Provence. Ce plat représente leur culture du sud de la France avec l'utilisation de l'huile d'olive et les pois chiches et il est classique de la cuisine méditerranéenne. C'est un plat délicieux qui devrait se manger chaud. Il peut être servi avec le pistou ou le tapenade. Et en France, il est consommé sous ou accompagné de salade. Les ingrédients nécessaires sont la farine de pois chiche, de l'huile d'olive, l'eau et le sel. La farine de pois chiche est aussi appelée farine de gramme. Et c'est ce qui est appelé dans le supermarché aux États-Unis. Vous ne pouvez pas utiliser de la farine normale, que ce ne serait pas assez épais. Aussi, j'ai fait l'erreur d'utiliser la farine de soja. Ce plat est un mélange de pois chiches qui est frit dans l'huile d'olive. Pour la préparation, je pense qu'il était difficile de faire la panisse. La recette dit que c'était une recette facile, mais j'ai eu du mal avec la partie de friture. Aussi, le mélange éclaboussure lors de la cuisson et cause de brûlure. Il est également très sale et difficile à nettoyer. Je n'ai pu faire un bon panisse, mais le pistou était très bien. Et je pense si... je cuis ça dans un four puis frit, ça va marcher mieux et ne serait pas s'écrouler.